La Cure AJCM, c'est des ateliers tout au long de l'année, des rencontres, des débats, des actions symboliques comme la journée d'aujourd'hui et qui nous tient vraiment à cœur parce qu'elle permet de valoriser l'engagement citoyen des jeunes en Méditerranée. On va essayer de respecter des règles d'intelligence collective. On vous a déjà parlé d'intelligence collective ? Non ? Non. C'est très simple. L'intelligence collective, c'est déjà de considérer que vous êtes tous intelligents, intelligentes. Oui, non, mais ça c'est la logistique, ça, sur place, on peut s'en débrouiller après pour faire passer d'un pays à l'autre, ça, c'est pas compliqué. Il y a la marque de café aussi, en fait, il y a une dizaine, quinzaine de pots où on demande aux personnes de reconnaître ce qu'ils savent ce que c'est et tout ça, et que tout ça peut servir. C'est plus du fumaison, enfin, du bio, des produits de la qualité que sur le marché. Vous pouvez les inciter à trier en discutant, comme voilà. Je vous en parle, après vous lui en parlez avec d'autres personnes. Alors la journée d'aujourd'hui est organisée par du coup l'association Les Têtes de l'Art, mais aussi l'association des citoyens de la Terre, 1538 Méditerranée, le Cercle ACM de Marseille, et c'est un projet qui est soutenu par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et la fondation FACM. Les pots de bananes, les trognons de pommes, les trucs comme ça, vous les mettez dans les sacs verts. La collecte, du coup, vous pouvez aller un peu où vous voulez, donc c'est-à-dire vers là ou vers là, en sachant qu'à l'issue de la collecte, tous les sacs vont être collectés par le service propreté de la métropole. Moi, c'est tout ce qui est organique et ça, c'est les mégots. Tous les fumeurs, le sac. Sachez que vos bouches sont les cendriers, froid, ça pue. S'appelle la Tunisie quand vous ne l'avez jamais vue. Je parle à propos d'une autre histoire, notre légende, et je parle après à propos d'une autre tradition. On est les Tunisiens, ce sont des peuples gourmands, hein. On mange beaucoup. Un buffet de la Méditerranée avec des spécialités des différents pays qui participent à la JCM. Il y a une petite boisson, je ne sais plus le nom, qui vient d'Égypte. Les bagrir, qui sont des crêpes qui viennent du Maroc, mais on peut dire peut-être aussi un peu d'Algérie. Avec ses déchets, elle a créé une sculpture, elle a créé sa propre œuvre. Et nous, dès qu'on est arrivé, on avait juste à faire les bras. Quand même, quelque chose de toute qualité, donc on est content. لتثمين إدماج الشباب المتوسط في مجال التنمية المستديمة والمواطنة. Et puis donc cette notion d'intelligence citoyenne, se dire que le citoyen lui-même en se reliant à différents endroits, Marseille, Toulon, Nice, Maroc, Algérie, Tunisie, Grèce, etc., peut apporter des solutions. Et il se passe la même chose dans 10 pays de la Méditerranée et dans 25 plages, donc il y a vraiment une dimension forte, symbolique, où tous les jeunes peuvent travailler ensemble et on espère un jour aussi les faire rencontrer physiquement. Ça donne de l'énergie collective pour répondre à ces grands enjeux méditerranéens. Il y avait des partenaires, par exemple, qui ont aussi favorisé le dialogue entre les associations et les élus localement. D'autres aussi qui ont travaillé aussi sur
la place de la femme dans la société ou comment soutenir l'entrepreneuriat féminin. Et notre but, c'est de porter la parole des jeunes de la région, de mettre en place des projets qui sont faits donc par nous, mais aussi pour nous. Tous les jeunes devraient s'engager dans la cause pour le climat parce que ça va nous concerner, nous, demain. Parce que si le climat va continuer à dépérir comme ça, on ne pourra pas vivre dans un monde complètement détruit. On est jeunes, là, nous, qui travaillons sur le projet, et ça va être le monde dans lequel on va vivre demain, donc c'est important de s'y attacher, de s'y atteler aujourd'hui. D'être actrice plutôt que spectatrice. Que ça nous permet de monter des projets réels, c'est vraiment réel, et ça nous permet de nous faire grandir. En même temps, montrer qu'on arrive effectivement à rassembler pour une cause commune des gens de différents horizons. Je suis assez concernée, et étant donné que je suis concernée, je souhaite m'investir. C'était pour moi l'occasion de m'investir, de réaliser des projets assez concrets, et pas simplement y penser. Et on espère que ça continuera et que les jeunes continueront, comme ils l'ont fait depuis de nombreuses années, à être engagés, à être volontaires et être solidaires aussi entre eux dans un espace assez complexe comme la Méditerranée. Donc voilà, nous on est là aussi pour les encourager. Vive la JCM pour agir.